Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va donc parler de la mise à jour de VMware Fusion 8 à VMware Fusion 8.5, car la mise à jour de cette application est très importante, car elle va nous donner la possibilité de virtualiser deux nouveaux systèmes d'exploitation, non pas un, deux. Le système d'exploitation mise à jour de Windows anniversaire, Windows 10 anniversaire, et le système d'exploitation macOS Sierra qui va être dès ce soir en place. Je vous ferai la vidéo sur comment installer macOS Sierra sur son Mac. Donc pour l'instant, c'est parti pour la mise à jour de VMware Fusion en 8.5. Merci de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Et surtout, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Alors, tout d'abord, on va lancer notre application VMware Fusion et on va l'ouvrir. Bureau, VMware Fusion est en exécution en arrière-plan. Ici, on va démarrer VMware Fusion, Windows 7, barre d'outils. Vous êtes actuellement sur barre d'outils. Pour interagir, débit 65%, 55%, 50%, voix manuelle, intonation 5, volume 101%, 56%. L'intérêt est d'avoir après, par la suite, la possibilité de virtualiser macOS Sierra, ainsi que de faire la mise à jour Windows 10 anniversaire. Donc, ce qui nous permet d'avoir plusieurs machines virtuelles actives sur notre Mac. Donc, ce qui n'est pas négligeable, puisque ça va nous permettre de pouvoir tester des logiciels aussi bien sur Mac que sur Windows. Je vais aller vérifier sur la barre de menu. Barre de VMware Fusion. VMware Fusion. Et je vais vérifier s'il existe une mise à jour. À propos de VMware, préférence point de suspension. Licence point de suspension. Vérifier les mises à jour point de suspension. Vérifier les mises à jour point de suspension. Mise à jour du logiciel. Fusion. Nouvelle version de VMware Fusion est disponible. VMware Fusion 8.5.0 est désormais disponible. Vous disposez de 8.1.1. Voulez-vous télécharger VMware Fusion 8.5.0 maintenant? Me le rappeler ultérieurement. Télécharger et installer. Prends en charge Mac OS 10.12 Sierra et Windows 10 anniversaire. Exécuter les meilleurs produits récents avec cette mise à jour gratuite destinée aux utilisateurs de Fusion 8. L'exécution de Windows sur un Mac est la partie émergée de l'iceberg. VMware Fusion permet aux professionnels, aux développeurs et aux entreprises informatiques de fournir, protéger et gérer en toute simplicité des postes de travail et des applications Windows, Linux ou Mac de n'importe où. Télécharger et installer. Windows 7. Détermination des paquets. VMware Fusion télécharge des mises à jour. Mise à jour du logiciel. VMware Fusion télécharge des mises à jour. Mise à jour. Détermination des paquets mis à jour. Mise à jour du logiciel. Téléchargement de VMware Fusion Core en cours. Donc pour les personnes malvoyantes, je mets en très gros la fenêtre qui télécharge. Téléchargement de VMware Fusion Core en cours. Vérification de VMware Toll pour FRIPS. Téléchargement de VMware Toll pour Windows 2000 ou version ultérieure en cours. Voilà, donc tous les paquets de mise à jour sont en train de se faire. Détermination des paquets mis à jour. Téléchargement de VMware Toll pour Windows 2000 ou version ultérieure en cours. Pour l'instant, tout s'effectue correctement. Extraction de VMware Toll pour Windows 2000 ou version ultérieure. Toutes les machines virtuelles en cours d'exécution sur votre Mac doivent être arrêtées ou interrompues avant de pouvoir installer cette mise à jour. Lorsque vous continuez, VMware Fusion tentera d'interrompre ou d'arrêter toutes les machines virtuelles en cours d'exécution, mais vous pouvez effectuer cette opération dès maintenant pour vous assurer que votre travail est enregistré. Les machines virtuelles sur des serveurs distants ne seront pas affectées. Installer et relancer. Installer et relancer, c'est donc ce qu'on va faire. Mot de passe, modifier le texte donc, sécurisé. Installer, il nous demande notre mot de passe. Bureau, une gnome-en.jpg. Donc il vient de nous fermer VMware Fusion. VMware Fusion. Pour nous le réouvrir. VMware Fusion, vous êtes actuellement sur fenêtre. Reprendre. À propos de VMware Fusion. Version professionnelle 8.5.0, 4352717. Donc comme vous voyez, la version s'est bel et bien mise à jour. Version professionnelle 8.5.0, 4352717, VMware Fusion est à jour. La version 8.5.0 est la dernière disponible. Voilà donc comment mettre à jour votre VMware. Si vous étiez sur une version inférieure, on est sur du 8.5 avec aujourd'hui la possibilité d'installer du macOS Sierra, du Windows anniversaire, ce que je vais faire dans les prochaines vidéos. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous donnera envie de vous abonner à ma chaîne. Surtout, n'hésitez pas, je vous accueille avec plaisir. Et si elle vous a plu, de mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut !